Vic, de Voice, donne de ses après son grave accident de kitesurf. Sa voix envoûtante avait fait de lui l'un des candidats les plus populaires de la 11e saison de The Voice. Lors des auditions à l'aveugle, Vic alias Victor avait fait se retourner les quatre coachs. Avant de rejoindre l'équipe d'Amel Ban. Au début, j'étais plus parti pour choisir Vianney, mais Amel Ban a vraiment compris l'émotion que je voulais transmettre par la chanson. Cela m'avait beaucoup touché. Pour moi, si elle était capable de cerner ça, elle pouvait m'aider tout au long de l'aventure. Avait confié le chanteur lors d'un entretien accordé aux Parisiens. Après un beau parcours qui l'aura conduit jusqu'en finale. Le public lui préfère Nour, talent de Florent Pagny qui avait également participé à The Voice Kids 2019. Au début, je ne voulais pas trop faire cette émission. Pendant plusieurs années j'ai été contactée pour y participer et j'avais refusé. Je dois avouer que j'ai eu des a priori sur l'émission. Je ne voulais pas que cela me définisse en tant qu'artiste dans ma carrière. À l'époque, je ne souhaitais pas que l'on me découvre comme cela. Maintenant, je me rends compte que je n'étais surtout pas prêt. Pour participer à The Voice, il faut avoir une identité musicale assez définie. Avait expliqué le candidat aux Parisiens. En août dernier, Vic avait confié s'être blessé lors d'une sortie en kitesurf. Yo. Il y a quelques jours j'ai eu un accident de kitesurf. Je me suis cassé le coude et le fémur. Avait-il expliqué depuis son lit d'hôpital. Tout va bien, je me remets doucement et je rigole bien à l'hôpital. En plus il y a des petits sachets de sucre qui me rappellent qu'il faut profiter au jour le jour. Prenez soin de vous et kiffez bien la fin des vacances, avait-il ajouté. Ce samedi 5 novembre, le chanteur révélé cette année dans The Voice a donné des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram. « Chère mamie, je me remets doucement et t'embrasse fort », a écrit le chanteur. Accompagnant ces quelques mots de plusieurs photos où on le voit notamment avec une jambe plâtrée. Heureusement pour Vic, le plus dur semble désormais derrière lui.